à Dieu d'être là ici au Congo pour la troisième fois et d'être ici au séminaire d'inauguration. C'est vraiment, vraiment un privilège parce que j'ai vu les travaux lorsqu'ils étaient, ils étaient remplis de poussière, ils étaient remplis de béton, et de les voir finir, je dis vraiment gloire à Dieu pour ce qui se passe ici au Congo. Je suis vraiment heureuse. Les mots sont insuffisants, seraient vraiment insuffisants pour dire toute la gratitude, toute la reconnaissance à Dieu pour ce qu'il est en train de faire ici, parce qu'on sait que c'est pas encore... De toute façon, ça a été dit hier, toute la journée, depuis le début, ça a été dit... C'est pas encore fini, mais c'est déjà grandiose et vraiment merci Seigneur et merci à vous d'avoir contribué, d'avoir fait ce que vous avez fait. Nous sommes vraiment reconnaissants à Dieu et à vous tous qui avez travaillé. Alors par rapport aux Congolais, moi je souhaiterais simplement dire qu'il y a quelque chose de bon qui est en train de se passer ici à Brazzaville. Dieu est en train de transformer les vies, Dieu a déposé sa gloire dans cette ville, dans ce quartier et surtout ici à ICC. Et donc, venez nombreux, venez prendre ce que Dieu veut déployer dans votre vie, venez. C'est simplement un centre de recueil, c'est un centre de restauration, c'est un centre de puissance où Dieu déploie sa gloire pour que nous puissions aller à l'extérieur pour embraser les autres vies. Donc, il y a quelque chose de bon qui sort du Congo. Alors, Brazzavillois, Brazzavilloise, nous l'avons entendu ici, en fait, c'est un temple qui a été construit à la gloire de Dieu. C'est un temple de rencontre. Donc si tu as besoin de rencontrer Dieu, que tu le saches ou que tu ne le saches pas, viens à cet endroit, viens vraiment te recueillir, viens te restaurer, te rafraîchir, parce que assurément ça va transformer ta vie. Ce n'est pas le temple qui va transformer ta vie, mais c'est vraiment la présence de Dieu que nous avons ressentie en ce lieu, que nous avons palpé, que nous avons touché. Et vraiment, ce serait dommage de ne pas en profiter. Franchement, on a envie de déménager à Brazzaville, mais on ne peut pas. Alors toi qui es là, ne rate pas, ne passe pas à côté, viens et sois rafraîchi par la présence du Seigneur qui est là. Le mot de la fin, moi je dirais mes yeux ont vu. J'ai entendu parler, mais mes yeux ont vu, mes mains l'ont touché et je rends grâce à Dieu pour ce qui se passe ici. Amen.